copine de Blaise, le fils de Jean-Marc et Edith. Et du coup, je suis venue avec Blaise depuis le mois de novembre pour travailler avec eux et apprendre un peu leur travail parce que ça m'intéressait beaucoup. Et puis vivre un peu aussi en respectant un peu mes convictions. C'est un gros investissement, enfin investissement personnel, hein, parce que financier, bon, financier aussi. Ce qui est dur, c'est aussi ça, c'est que comme Jean-Marc et Edith, ils ont pu s'installer progressivement. Ils ont commencé avec un petit troupeau, avec rien, une tente et trois chèvres, enfin je sais plus exactement, mais qu'aujourd'hui, voilà, on est obligé de s'installer. On est obligé tout de suite d'avoir un énorme bâtiment aux normes. Enfin, on voit d'autres gens là qui sont installés. On leur demande d'avoir déjà tout parfait pour commencer. Et c'est pas évident de se mettre. Enfin, c'est un système aussi qui est un peu décourageant parce que je vais y aller en courant, mais parce qu'il y a des lignes. Justement, des amis qui travaillaient en Italie, enfin qui travaillent dans le Piémont en Italie. Et où elle a un système pareil pastoral, mais c'est encore plus tranquille que là parce qu'ils ont une montagne à eux presque. Donc on lâche les chèvres le matin et on va les rechercher le soir. Donc là c'est encore plus tranquille. Et ici, ben, au début je me suis dit mais pourquoi on doit garder tout le temps. Et en fait voilà, on voit bien que avec toutes les vignes, tous les champs partout, c'est impossible de rester. De les laisser partir sans garder. Même si des fois on a l'impression qu'on fait rien, au final, si on n'était pas là, je pense que. Si on n'était pas là, je pense que ce serait vite la catastrophe. Voilà, Blaise Dupuis, je m'appelle. Et je suis le fils aîné de Jean-Marc et Edith. J'ai fait mon bac agricole, donc dans le lycée agricole d'Aubenas, Olivier de Serres. Ensuite, eh ben, j'ai voulu. Découvrir un autre monde agricole, un peu avoir une vision plus large de ce qui existait. J'ai choisi de faire mon BTS agricole, BTS DARC, c'est développement agricole des régions chaudes. Et il se passe que dans les dom-toms, donc j'ai dû aller là-bas. Et je suis allé à La Réunion, à l'île de La Réunion, dans l'océan Indien. Donc c'était vraiment intéressant, plein de choses nouvelles. Et je me suis retrouvé à faire un stage à Madagascar. Dans un petit village rural très enclavé, avec beaucoup de difficultés au niveau agricole. Et puis cette expérience, elle m'a bien marqué. Alors ensuite, après mon BTS, j'ai voulu continuer dans l'agriculture, mais plus dans la réalisation de projets. Donc j'ai fait une licence à Besançon. Pour la conduite de projet, la coordination de projets de solidarité internationale. Et donc, j'ai voulu retourner à ce village-là, à Madagascar. Et donc, j'ai trouvé, avec un ami et finalement après une bande d'amis, on est retrouvé là-bas pour créer un projet de ferme pédagogique, ferme école. Une fois que j'ai eu ma licence, j'ai quand même voulu rentrer parce que. Une des conclusions qui m'est ressortie après avoir fait ce projet, c'est que faut commencer par le faire soi-même, les convictions qu'on tient vraiment pour être crédible, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai voulu, après mes études, revenir à la ferme et puis continuer pour l'instant à élever les chèvres et les moutons. Et justement avec le système, il correspond tout à fait à mes convictions. Celui qui fait pas fromagerie, il va garder. Pendant les foins. Après, les hommes, ils iront garder un peu aussi. Donc après, on aura un peu plus de repos. Elle sera paysanne un jour, Camille ? Si ça leur plaît. Oui. Si ça leur plaît, moi, je leur laisse bien volontiers l'exploitation. Et pourquoi bien volontiers ? Comme ça, moi, j'aurai un peu de temps libre. Et puis, de leur point de vue, il y en a dans la famille qui m'ont dit « Est-ce que c'est un cadeau à leur faire ?» Eh bien, je pense que c'est pas la panacée.
Mais quand même, en ayant une exploitation agricole toute prête, ils n'auront pas besoin de solliciter, de faire la soumission chez le patron. Bon, c'est beaucoup de travail, mais c'est quand même une belle vie. Donc, c'est super pour eux qu'ils ont la liberté d'essayer pendant un an. Et on verra la décision qu'ils prendront après. Pour moi, ce qui compte dans ce métier, c'est le fait que nous sommes, pas que nous avons. L'état de berger s'arrête dès que tu n'es plus berger. Et j'espère que ce qu'on va laisser après, c'est le fait d'avoir été berger. Et là, on aide les jeunes à s'installer. Et c'est ça qui est riche. On est quand même un exemple de gens qui ont tenu le coup. Et on est berger. Ça, c'est vraiment le verbe être le plus important. C'est magnifique, hein? Quelles sont les caractéristiques du système d'exploitation de tes parents qui t'intéressent, justement? La principale, c'est le pastoralisme. Comme dit souvent mon père, c'est produire un élevage qui produit des protéines animales à partir de friches. Et ça, nos jours, ça n'existe pas beaucoup. C'est principalement des concentrés et tout ça, qui ne viennent pas forcément d'ici en France. Comme le milieu était un peu aride, enfin, particulier quoi, rustique on va dire. On a choisi, du coup mon père a choisi des races qui convenaient au terrain quoi. Et donc il a choisi des roves en chèvre et des rouges du Roussillon en mouton. Elles sont intéressantes et j'avais à remodifier, je pense que j'enlèverais aucune des deux. Enfin, je remodifierai un peu mais je les garderai. Parce que c'est tellement caillouteux que du coup il n'y a pas trop d'autres choses possibles à faire que ça pour valoriser les surfaces quoi. Puis les deux élevages, ils sont bien complémentaires, même si ma mère elle râle souvent que les brebis elles se tiennent mal avec les chèvres et que c'est un peu difficile de garder. Mais avec ces deux ruminants, on arrive à à consommer la friche sur différentes strates. Il y en a un qui est plus aérien avec les chèvres et l'autre qui est plus herbacé au niveau de la tête pour les moutons. Donc les deux se complètent. En ce moment, on a à peu près 70 chèvres laitières. On les garde du coup à peu près toute l'année, sauf le moment de les mises bas, donc en février. Je vais commencer de là. Du coup, en février, elles restent un mois et demi à l'intérieur, le temps que les entrées, du coup les 70. Et là après, c'est le rythme de croisière. On traite le matin à 5h, on garde de 6h jusqu'à midi. Ensuite, les chèvres, il fait trop chaud pour les sortir, donc elles restent jusqu'à 5h. On retrait à 5h. Et là après, de 5h à 10h jusqu'à la nuit, on les regarde. Camille, sa meilleure amie, elle est bergère en Italie. Et je pense que depuis cette amitié, Camille elle a envie d'être bergère. Donc mon interprétation, c'est que le fait que Blaise et Camille soient venus habiter à la maison pour voir le métier d'éleveur, je pense que c'est Camille le moteur. Mais c'est pas grave, parce que moi je ne suis pas spécialement passionnée des bêtes, mais je suis très heureuse dans l'exploitation parce que j'ai trouvé ma place. Dans le commercial, dans la fabrication et dans l'administratif. Et je pense que Camille et Blaise, ils peuvent très bien se trouver un équilibre comme ça. Et je vois vraiment que Camille, elle prend son pied avec les bêtes. Ça me fait plaisir. Ouais. Pourvu que ça dure aussi. C'est très stressant parce que si ça se
si l'éclosion est positive, ils peuvent être très heureux, mais il se peut aussi que à un moment elle dit je me suis trompée, c'était pas ça. Donc c'est quand même stressant pour une maman. Parce que mine de rien, ça nous donne un espoir de remplacement. Mais on leur laisse la liberté de dire non, finalement, on s'est trompé, ça ne nous plaît pas. Et maintenant, on s'est quand même un peu habitué à leur aide déjà. Donc si on se retrouve à nouveau à deux, ça sera dur, mais je veux pas qu'ils en tiennent compte. Donc là, le stress, c'est le foin, des longues journées. C'est la préparation de la transhumance. C'est du stress parce que ça tombe pendant les foins. Et c'est beaucoup d'excitation quand même, tous ces gens. Et le pic de lactation qui tombe au même moment. Bon bref, ça fait beaucoup. Ils sont là les Bretons ou pas? Ils sont là les Bretons! Bonjour Edith. Si tu tapais, ça serait pas dans l'œil, tu vois. Salut. Je sais pas où ça. Et ça, c'est Léna. Tu connais Léna? J'ai pris 5 kilos chez toi. Ah oui? Bon, faut revenir alors. C'est bon. Alors là, on va. On va garder et après on vient ce midi, non ? Manger, non ? Ben oui, oui. Ah d'accord. En 1995, j'ai connu quelqu'un qui faisait... qui était accueil paysan et puis qui dans ses activités d'accueil paysan proposait la transhumance. Et donc c'est comme ça que j'ai démarré en 97 chez un autre paysan à côté de Vallon-Pont-d'Arc, à une vingtaine de kilomètres d'ici à peu près. Et qu'est-ce qui m'a motivé plus, c'est que c'est cette façon de travailler, cette agriculture paysanne, l'utilisation du territoire par des animaux qui n'étaient pas très reconnus dans notre société actuelle, quoi. Cette façon de travailler, puis de résister contre un modèle dominant qui considère ces terres et ces paysages inutiles ou qui veulent peut-être les destiner à d'autres orientations. Et aussi parce que c'était, en ce moment-là, maintenant c'est plus ou moins accepté, mais c'était interdit de faire la transhumance à pied, donc je suis venu un peu pour... je continue à venir pour résister avec ces gars-là, quoi, avec les gens du pays. T'aurais pu être berger, René. Oui, je pense que j'ai toujours aimé ça, c'est marrant. J'ai toujours aimé guider les bêtes, j'ai toujours aimé dresser les bêtes. J'aime bien ça, être dans la nature, comme ça, au calme. Et c'est pour ça, là... Moi, j'ai ma petite fille, là, c'est la quatrième de mes petits-enfants qui vient. Je me suis lancé le défi, il y a 5-6 ans, de les envoyer tous. Alors... Hein, tous les ans, et c'est la quatrième qui vient là, depuis 4 ans. Quoi. Tu trouves que ça fait partie de l'éducation que les jeunes devraient avoir? Tout à fait. De prendre conscience de la nature, de ce qui nous entoure, et comment utiliser un territoire, quoi, pour nourrir les gens, et que la terre garde sa vocation première, sa vocation de terre nourricière. Quand on parle de souveraineté alimentaire, souvent maintenant, à notre époque, on parle de souveraineté alimentaire, que chaque pays peut se nourrir sans forcément aller piller, aller chercher ses besoins essentiels à des centaines de kilomètres et faire des échanges. Il y a besoin de faire des échanges, mais il y a des échanges qui sont faits qui sont complètement improductifs. Et on fait une agriculture de marché, mais c'est pas forcément une agriculture qui nourrit les gens, et c'est une agriculture qui... Une agriculture de marché, oui, comme je viens de le dire, quoi. Et
Et cette agriculture-là, est-ce que tu penses alors qu'elle a du sens et qu'elle a de l'avenir? Elle a du sens, elle a aussi de l'avenir si on vient la prendre en compte. Et je pense que c'est ce type d'agriculture-là qui pourra nourrir la planète. Et c'est pas en laissant les terres en friche, comme ça a été depuis de longues années, sans être utilisées avec la valeur qu'elles ont, même si ce ne sont pas des plaines de la Beauce, mais elles ont une valeur. Il y a des gens qui devraient reconnaître le travail des gens là-dessus. Parce que ces terres-là, s'ils ne sont pas utilisées comme ça, c'est des terres qui coûtent à la société, ne serait-ce que pour les entretenir, pour éviter les feux de forêt, pour et ainsi de suite, quoi. Bah, ce qui demande le plus de temps dans ce système, c'est la garde. Donc on les regarde manger, mais c'est pas, comment dire, c'est pas comme on imagine le berger sous l'arbre qui ronfle et qui fait rien. On les suit, on contrôle parce qu'il y a des vignes autour, donc on fait gaffe qu'elles débordent pas. On a des quartiers pour justement gérer un peu le pâturage et en avoir tout le temps. Et donc ouais, il faut respecter un peu l'orientation. Des fois, et bah, il y a le coup, elles n'ont pas envie de manger, donc on n'arrête pas toujours de crapahuter dans les rochers. Et on fait bien nos, je sais pas, mais je dirais nos 10 km par jour qu'on garde si on fait en piétinant, en marchant à droite à gauche, tout ça, donc c'est pas du repos. Cochon, ça n'a pas fait d'agneau, ça. Et de là, ça ne va pas. Voilà, c'est bon. Voilà. Tourne la clé, René. Et oui, je la tourne. Voilà. Ça y est, j'ai réussi. Voilà. C'est belle, hein.
Martine, viens. Viens, Martine, viens. Courage, Martine, viens, viens, viens. Viens, ma fille, viens, oui. Viens, viens. Viens, viens. Viens, on y va. Viens, viens. Viens, 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 viens. Viens, viens, viens. Viens, viens. Non mais là c'était pas agricole, c'était les harkis, leur subsistance, en même temps c'était leur habitude de cultiver la moindre parcelle. Et maintenant il y a une déprise parce que les jeunes ça les intéresse pas. Quand ils n'ont plus de facilité pour manger, quand on voit les restes de clôture, ils avaient toujours leurs moutons ici, tout le temps. Hein. Ils avaient leurs légumes en plein champ quoi. Le problème qu'on a avec cet atelier, c'est qu'il est, ben, il gagne pas beaucoup, quoi, on va dire. Ça gagne pas beaucoup, donc c'est plus par plaisir qu'on fait les brebis que pour vraiment ramener, je pourrais dire un salaire. Mais par contre, et ben, il y a beaucoup plus d'élevage dans la région qui ont nos modes d'exploitation. Et nos convictions en ovin qu'en caprin. Du coup, c'est une manière aussi pour nous de pouvoir échanger et garder du lien social avec ces élevages-là. Et il y a une idée qu'on aurait pour l'avenir, pourquoi pas, si jamais on continue à faire cet atelier-là, ça serait de faire un atelier de transformation avec plusieurs collègues qui font du coup de l'ovin, des moutons. Des brebis, pardon. Et puis là, du coup, ça nous permettrait de valoriser un peu mieux la viande et du coup cet atelier, quoi, lui donner une place un peu plus importante. Quand vous verrez crucifiés au pilori de vos cités les restes de vos libertés par l'ordre nouveau sacrifié, il sera trop tard pour pleurer.
quand les grands oiseaux bleus d'acier viendront survoler vos cités, il sera trop tard pour chanter, le jour de gloire est arrivé, il sera trop tard pour pleurer. Quand les enfants qui nous naîtront n'auront ni visage ni main, la sarabande des neutrons dansera la mort des humains, il sera trop tard pour pleurer. Et quand le vent dans sa folie déversera tout son venin, ceux qui marchaient s'endormiront, délirotant au bord du chemin, il sera trop tard pour pleurer. Quand vous sécherez lentement, vous souvenant encore de l'eau, quand vous rêverez de fontaines, de sources, de puits de source et de margelles, il sera trop tard pour pleurer. Pour qu'on arrive mieux à vivre avec justement la brebis, il faudrait déjà qu'on puisse abattre à la maison, puisque faut savoir que chaque brebis qu'on amène, on paye au poids carcasse, donc 1 kg par 1 € par kilo, pardon. Donc déjà c'est quelque chose, plus le transport. Et après, du coup, la valorisation derrière, on l'a pas, puisque on le vend toujours en gros volume, quoi. Alors que si on transformait en merguez, pâté ou même des filets, etc., des steaks, quoi, on pourrait le faire, on pourrait le valoriser bien mieux, quoi. Faut les envoyer, faut les emmener. Bon. Je suis fraîchement revenu sur la femme de mes parents, donc je suis juste aide familiale. Camille, elle n'a pas encore trop statut, mais ça va pas tarder à trouver une solution. Et pour l'instant, on s'est fixé d'être ici 2 ans sur la ferme pour voir un peu la chose, comment ça fonctionne, pourquoi pas se l'approprier. Mais on ne s'annonce pas tout de suite sur une éventuelle reprise. Parce que c'est tôt, on est jeune, on a encore des projets, comme je l'ai dit, je travaille à Madagascar et je suis encore engagé pendant quelques années. Donc ça fait un peu bizarre de se dire qu'on s'installe alors qu'on est amené à partir 2, 3, voire 4 mois chaque année à l'étranger, surtout avec l'élevage, quoi, c'est pas possible. Mais je sais que je m'installerai ici avec mes parents ou ailleurs. Puis après, là, ça serait sûr que ça serait bien, parce que ça ferait une exploitation familiale, quoi, comme il y avait dans le temps. Mais
Après, il faut que ça marche avec le temps. Il faut que chose se fasse, quoi. Il y a encore beaucoup de demandes. En air rouge, il y a beaucoup de demandes. Dans les autres races, il y en a un peu moins, mais bon, ça développe quand même. Comme là, j'ai réussi à faire. Maintenant, il y a un troupeau de rayons en Ardèche, un petit troupeau qui démarre. Et il y a un troupeau de président de Garrigues à la bombe, tout près de chez nous. Ah oui. Et ça redémarre par des jeunes qui s'installent. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Ouais. À Nonnet, jusqu'à dans les ronds, il y a le calcaire, la Cévenne et le plateau. Alors sur le plateau, les gens les appellent les pagels, c'est les mangeurs de seigle. Sur les pentes, c'est les Cévenols, c'est les mangeurs de châtaigne. Et la plaine calcaire, c'est les mangeurs de froment. Et normalement, c'est les rayoles. Mais comme les rayoles, ils ont beaucoup monté en Cévenne, à Cévenne, on appelle la rayole. Enfin, les brebis rayoles. En fait, c'est un rameau de la Cosnarde, quoi. Ah, vous avez fait une boule à côté, vous, là? Ah oui. Bonjour, René. D'accord. En augmentation, on va augmenter encore. Je vais m'installer avec mon oncle, on va faire un GAEC. Et notre troupeau, il monte depuis 4 générations. Je suis la 4e génération pour monter sur le Tanarg. Donc voilà. C'est mon arrière-arrière-grand-père qui avait commencé à monter sur le Tanarg. Il y a eu mon arrière-grand-père, il y a eu mon grand-père, et maintenant il y a moi. Thank you.
C'est important, toi, la notion d'exploitation qui fait vivre une famille, qui est un cœur pour une famille, un lieu, quoi. Ah oui, bah moi je pense que c'est... qu'il devrait y en avoir plus, quoi, et que... bah, il faut que ça perdure absolument, ces choses-là, parce que... comme je disais, les paysans, c'est une espèce rare déjà, et puis en plus, c'est en voie d'extinction. Et ça... c'est une manière de faire générer avec des petites entités de quoi vivre décemment, et il faut absolument que ça se maintienne. C'est une manière de mieux connaître son environnement, de garder un savoir-faire justement avec une ferme où on est obligé de faire tout, de la mécanique, de la soudure, les cultures, la plomberie, enfin de toutes les, un peu les professions quoi, recroisées. Et justement, c'est ce mode de vie, je dirais que c'est le, pour garder un savoir-faire et ouais, un mode de vie qui je pense qu'il devrait être plus répandu quoi. Donc je suis la copine de Guillaume, donc qui va être en cours d'installation d'ici la fin de l'année. Pour l'instant, moi, j'ai pas le projet de m'installer, je me trouve encore trop jeune. Je préfère travailler à côté et assurer un revenu donc au foyer, entre guillemets. Et puis voilà. Chansons pour bercer les enfants, d'autres qui réveillent les révoltes endormies. Il y en a des douces comme un cheval soumis, d'autres ont la violence du meurtre et du sang. Chanter la vie, l'amour et la mort, les saisons, les rêves, le travail et la grève. Au chant à la ville, chantez vos efforts, chanson peut tout dire, le meilleur, le pire. Les chants populaires ne font pas d'exception, la joie des naissances, la pourriture des eaux. Des chants de travail et des chants de repos, voilà ce qu'on trouve dans la tradition. Chanter la vie, l'amour et la mort, les saisons, les rêves, le travail et la grève. Au chant à la ville, chantez vos efforts, la chanson peut tout dire, le meilleur, le pire. C'est la grosse qui est à ta gauche, là. On a tellement délocalisé toutes les cultures, etc., à droite à gauche, que ben on n'a plus d'agriculture complémentaire sur une localité où on l'a, mais à moindre échelle. Et puis et ça permettrait pas de faire vivre une population nulle part quoi, maintenant. Et en même temps, on nous fout tellement de bâtons dans les roues de tous les côtés, enfin les petits paysans, que ça va pas en mieux et ça nous permet pas de continuer à nous développer et à multiplier les nouvelles installations. Et donc c'est en ça que je disais qu'on n'a pas le potentiel de production
pour nourrir, pas là, mais une population un peu plus conséquente, je pense. Puisque du coup, justement, avec plein, comme je le disais, plein de petites installations, eh ben, on fait vivre beaucoup plus de monde. Les gens, ben, ils savent voilà, toutes les valeurs d'agriculture durable et locale, etc. Que ben, les consommateurs, ils savent ce qu'ils veulent acheter, ils savent ce qu'ils achètent. Ils peuvent directement voir comment le monsieur, enfin, l'agriculteur y travaille, le paysan. Et je pense qu'il y a un gros boulot à faire sur les consommateurs, puisque c'est eux qui orientent la consommation, c'est eux qui dictent comment le monde économique doit tourner. Hein. C'est ni plus ni moins que ça, le pouvoir d'achat, c'est pas autre chose. Hein. Et c'est pour ça que ben, tant qu'on peut, il faut réfléchir à ce qu'on consomme, même si je sais que c'est chiant, qu'il faut tout le temps se dire « putain, ça je peux, est-ce que je regarde l'étiquette ?» Tout ça, mais je pense que ça en vaut la peine, quoi, de chercher à s'alimenter différemment, quoi. Et puis après, ça en découle sur plein d'autres choses, s'alimenter, se vêtir, etc. Pitié, mais.